supplie. Je comprends pas ce que vous voulez. Qui t'a engagé? Je ne comprends rien. Qui t'a engagé? S'il vous plaît. C'est rien. T'en vas pas. Laisse-le moi, je m'en occupe. Laisse. Y'a quelqu'un qui vient. On nous a vus. Chérie. Quoi? J'ai pas fait ça pour tes beaux yeux, tu sais. Hein, c'est un prix, Coco. Ouais, 40, c'est ça. Ouais. C'est ça, joli cœur. Oncle Joe? Alors, petit, t'es où avec la caisse? J'ai merdé. Qu'est-ce que s'est passé? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Mais ça s'est pas passé comme prévu. C'était pourtant pas compliqué ce que je t'avais demandé. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai buté. Et j'ai caché son corps dans le coffre de la voiture. Qu'est-ce qui t'a pris, putain? Je peux pas te faire confiance à bordel de merde. S'il y a une seule tache sur le siège, je te le fais bouffer jusqu'à ce que ça sorte de ton cul. Oui, je sais, mais... Tu pouvais faire en sorte de la router ailleurs que dans cette voiture. Ok, rends-toi à l'appart. J'envoie mes hommes. Ils vont s'occuper de tout ça. Merci. Je te revaudrai ça.
Tiens, voilà les Marx Brothers. Oncle Joe vous envoie. Le cadavre dans le coffre de la voiture. Tu sais qu'Oncle Joe a les nerfs contre toi. Écoute, Groucho, je sais pas d'où vous sortez, mais je suis pas là pour qu'on me fasse à son. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée. Tu vas assumer tes conneries jusqu'au bout, hein. Tu vas gentiment bouger tes mis jusqu'à la caisse, viens ce que je te dis. Eh oh! C'est notre chef maintenant? Depuis quand? Apparemment, je suis le plus vieux, le plus expérimenté, et j'ai pas envie de rester des lustres plantés là, à se regarder dans le blanc des yeux. Vieux et grincheux. Attendez, les gars, je me fous de savoir qui commande. Je fais ce que j'ai à faire et je me casse. Je suis pas là pour glander. Et la pin-up, elle sert à quoi? Pas à vous materner, en tout cas. Je suis là pour m'assurer que les choses seront faites proprement. En d'autres termes, t'as la petite chienne, non, Pledjou? C'est mieux que d'être son larbin. Je suis pas con. Je vois bien que vous êtes là pour me faire la peau, hein? Exactement, moi je suis là pour ça. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça commence à devenir intéressant. Qu'est-ce que tu racontes, petit? Fais pas le surpris, Griff. Les gars, j'espère que ça ne va pas prendre toute la nuit. J'ai d'autres chats à fouetter. J'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est que ce putain de bordel. Ça te paraît pas bizarre qu'Oncle Joe fasse appel à trois types pour se débarrasser d'un corps? Apparemment, vous n'êtes même pas foutu de faire le boulot à trois. Toi, t'es qu'une option. Alors débranche, attends dans la voiture. Écoute-moi bien, le macho de service. Je pourrais me débarrasser de lui en un claquement de doigts. Tandis que vous... vous devrez remuer ciel et terre. Qu'est-ce que tu attends, Laure? Oh! Les gars, j'ai l'avantage sur vous. N'y pense même pas. Faudrait déjà qu'il ait les tripes pour le faire. Ne cherche pas! Je l'ai saigné! Hé mec, déconne pas! La ferme! Espèce de taré, qu'est-ce que vous foutez, bordel? Je vais y passer avec vos conneries! Vire-moi ce putain de couteau. Je vais pas passer à côté d'une grosse affaire. Une grosse affaire? Ouais. Une minute. Qu'est-ce qui vous motive à tuer cet abruti? Et toi? Moi j'ai fait mes preuves. Et Oncle Joe me fait suffisamment confiance. Et quand j'aurai mis une balle entre les yeux de ce merdeux, tu m'obéiras au doigt et à l'œil. Fais attention à ce que tu fais. Tu n'oserais pas. C'est pas parce que tu roules du cul que je vais être sympa. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est personnel. Bah, tout est personnel. Au point où on en est, tu devrais cracher le morceau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ce qui s'appelle avoir eu un coup de foudre, mon pote. Remercie Barbie. Et toi? Quoi? Qu'est-ce que tu fous là? Les gars... Toi, ta gueule. Rends-moi mon buck. Tu rêves. J'ai du fric. De quoi tu parles? 2 millions. 2 millions? Ouais, c'est ça. Où tu les caches? Si vous me butez, n'aurez qu'une chance de le savoir. Où tu les as dégotés? Ça, c'est une autre histoire. Mon pote... Te fous pas de ma gueule! Se calme. Taré. Il y a à peu près un an, pour prouver ma loyauté, Oncle Joe m'a confié une mission. Vous vous rappelez? De ce fric que les flics n'ont jamais retrouvé. De ce train qui a percuté un fourgon blindé. Ouais, je m'en rappelle. Ils n'ont jamais su expliquer pourquoi le fourgon était là et on n'a jamais retrouvé la cargaison. Tout ce que je sais, c'est qu'Oncle Joe m'a confié de dissimuler ce fric. Où ça? Ouais. Moi, j'y crois pas trop à ton histoire. Je vous baratine. Pourquoi Oncle Joe t'aurait confié 2 millions? Pourquoi tu ne serais pas barré avec? Qu'est-ce que tu crois? Je suis son neveu au troisième degré. Par tous les moyens, il m'a retrouvé. Troisième degré, mais ça veut rien dire. Le fils de la sœur, de la belle-sœur, au cousin d'Oncle Joe. Effectivement, j'assens pas trop ton histoire. J'en ai déjà entendu parler. J'ai surpris une conversation entre Oncle Joe et Frank. Alors, si Barbie le dit... Grace. Hein? Je m'appelle Grace. Ça va, t'énerve pas, poupée. On se croirait à la maternelle.
Bon, ça suffit maintenant, je vais le buter. Je peux t'y mener. C'est à 20 minutes d'ici. Et si je t'avais pas suscité de l'intérêt, tu l'aurais déjà fait. Imagine qu'il dit vrai. Si c'est faux, on le descend. Ouais. Et comme ça, t'empoches ce que Joe t'a promis. De toute façon, si tu le tues, je te tue. Et puis si le fric existe, tu crois quand même pas que je vais te laisser partir avec 20 millions dans la nature sans broncher? Je suis pas con. Et puis qu'est-ce qu'il t'a promis d'abord? On peut partager. En quatre. Moi, je marche. Et après, chacun pour soi. Ça marchera pas comme ça. Oncle Joe ne laissera pas filer. Tu es dans un sacré pétrin, Gabor. C'est toi, notre butin. Ouais. Alors fais une bonne action avant de tirer ta révérence. Pourquoi Oncle Joe veut ma mort? Ça n'est pas notre problème. Maintenant, ça suffit, tu vas t'allonger. Qu'est-ce que ça peut te foutre de pas nous dire maintenant où se trouve le fric? Puisque de toute façon, dans tous les cas, t'es mort. Alors dis-le! Et puis ton histoire de partager en quatre. Tu me prends pour un con? Moi, si j'ai le fric, je le garde pour moi. Vu? Je te donne 3 secondes. 1, 2... Eh ben tu vois, mais finalement, j'ai bien fini dans tes bras. Tout le plaisir était pour moi. Il parlait beaucoup trop. Il aurait pris le fric pour lui. Je n'ai fait que penser à nos intérêts. Je savais qu'il fallait se méfier de toi. Tu serais déjà mort si je voulais. Tu me la feras pas à l'envers. Je peux en finir avec toi, maintenant. Tu ne le feras pas. Ah bon? Pourquoi? Tu n'as jamais tué personne. Tu n'oserais tout de même pas commencer par une femme, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as eu plusieurs fois l'occasion de le tuer. Tu parles mais tu n'agis pas. Faute de débutant. Sans que je vais garder le fric pour moi tout seul. Arrêtez, bordel! Toi, tu vas nous mener au fric. Je veux un flingue. Ne compte pas là-dessus. C'est pas équitable. Putain, t'as un grain, toi. Je vois que ça ne te déplaît pas. Qu'est-ce qu'on fait des autres ? On va s'en débarrasser. Merde, vous en avez pas marre? On y va. C'est encore loin? On y est presque. J'espère que tu ne te fous pas de nous.
C'est ici? Non, du con. Je t'amène ici pour plaisir. Te fous pas de ma gueule. Alors? Tout est là. Nom de Dieu, ça fait du bien. Putain. Jeune et naïf. Arrête tes conneries. Envoie le fric. Sinon je saigne ton petit copain. Ça marchera pas, t'es fou. Oncle Joe te laissera pas filer. Il te retrouvera. Oncle Joe, je l'emmerde. À cette heure-ci, ce gros con, il croit que je suis mort. De toute façon, quoi que tu fasses, tu es déjà mort. Pose ton arme. Écoute-moi bien, espèce de petite salope de mes deux. Je repartirai avec le fric. Et ni toi ni personne ne m'en empêchera. Les cartes viennent d'être distribuées, mon ami. Débarrasse-toi du corps. Que je t'ai promis. Vous quatre morts, je suis libre.